Ok, je joue contre Petit Maître. Donc, le jour d'avant, j'avais fait rematch, mais je suis déconnecté entre temps. Donc, c'était trop tard pour jouer contre le même. Petit Maître ouvre D4. Hello. Alors, un Gambibanco. Accepter. Alors, accepter vraiment ou accepter à moitié? Accepter à moitié. Alors, ça c'est rigolo. Ça fait plusieurs fois qu'on me joue ça depuis hier, depuis 2-3 jours. Et ça fait partie des lignes que j'avais pas encore apprises, donc j'ai commencé à l'apprendre aujourd'hui. Le B6, dame prend B6. C'est-à-dire que là, je savais qu'il fallait jouer D6, ensuite G6. Enfin, il faut, c'est pas il faut, c'est le répertoire que recommande Chess Explained. Et après, ouais, il y avait A4, A5 qui est intéressant. Et je savais pas quoi répondre, maintenant je sais. Mais c'est pas ça qu'il joue. Il va mettre son cavalier en C4. Et si je joue cavalier C4, est-ce que je... Maintenant, madame est attaquée. On va pas dire n'importe quoi non plus. En fait, c'est dame B4 la réponse à A4, A5. Et si, je remarque que si je joue dame B4 maintenant, c'est intéressant aussi. Ça empêche cavalier C4. On va essayer. Et même s'il joue par exemple le 4 avant, faut G7, ça empêche toujours cavalier C4 parce que je prends 4. Le fou, le cavalier étant cloué. Donc, essaye de perturber un peu son organisation, on va dire. Et dans cette variante-là, on peut avoir des problèmes pour des problèmes d'espace avec nos deux pièces là. Par exemple, ce fou, il sait pas trop où aller. S'il vient là, il bloque le cavalier. S'il vient là, il bloque des cases de retraite de la dame. Donc, faut faire très attention. Alors s'il n'y a pas mon cavalier ici, je me lasserai de gagner un pion. Mais je peux pas prendre là. Oh, je peux pas le sacrifier là. En plus, de toute façon, il défendrait le cavalier. Pas trop envie de le reculer ici non plus. Alors il y a une manœuvre. Possible qu'il y ait celle-ci. Pas, je réfléchisse plus longtemps. Et donc là, il peut jouer cavalier B1. Étonnamment. Pour défendre son pion, il ne défend pas son pion. Alors, c'est quoi l'idée là? Il veut me chasser. Est-ce qu'il a un moyen? Donc, évidemment, je peux plus prendre. De toute façon, il avait roqué. Donc, s'il prend. Si je prends, pardon. Est-ce qu'il a l'intention de chasser madame? Madame se fait chasser, effectivement. Et il peut reprendre tranquillement. On va continuer avec notre petite manœuvre. Ce cavalier va aller là et l'autre il va prendre peut-être soit là, soit là. Attaque mon pion. Ah, le voilà, le A4. Donc, il empêche effectivement mon cavalier de se pointer. Mais je vais en mettre un là. C'est pas fini.
F4 est toujours possible pour empêcher cavalier E5, mais moi avec les blancs et toutes les fois j'ai joué F4 dans des Gambi Benko, je me suis fait exploser après. Parce que pour les que le fou peut venir là, on a une magnifique diagonale. Bon, je pourrais jouer fou ici tout de suite, mais pour l'instant ça n'accomplit pas grand chose. Donc sa tour, on sait pas ce qu'elle vient faire là, mais ah si, elle menace d'aller en B3. Pas vu qu'elle était protégée, donc danger. Danger, danger, il faut que je me replie tout de suite. Donc on va être obligé de venir là. N'est-ce pas? Si je prends ce cavalier. Bon, il peut toujours prendre avec la tour. Même la menace est encore valable, je pense. Dame B8 peut-être. C'est pas mal ce plan de mettre un cavalier en C4. Et donc contre ça, je pensais juste sortir le fou peut-être. Et je vais cavalier C6, tour prend C6. Dame A7. Pas terrible. Si je joue ça, on met dame en A7 alors. Je vais réussir à mettre un cavalier ici. Et si je joue ça pour l'empêcher, il y a F4. Ah, j'ai plus de temps. Tour B8. Bon, et si je joue ça? Des gros problèmes là. J'ai pas de réponse à F4. J'ai l'air malin maintenant avec mon cavalier en B8. Et rentrer à la maison, le pauvre. Sais pas trop pourquoi il attaque comme un maniaque là. 17 secondes. On va essayer de s'en sortir par E6. Mais ça perd un pion. Est-ce que je vais arriver à jouer cavalier C6? Après dame prend E6. Pourquoi il m'a rajouté du temps? Luck plus 15 secondes. Ok, il n'a pas pris le pion. J'ai quand même toujours du mal à le défendre. Plus que 11 secondes. Oui, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous capture la dame, tout simplement. De toute façon, ça faisait un moment que on n'a plus trop d'espoir. Ouais, le fameux pion, ça faisait longtemps qu'il était gratuit.
8 secondes. 5, 4, je sais pas quoi jouer. Ouch. Oh, c'est bon. Enfin, tout est relatif. Je vais me faire mater, mais bon. Faudrait vraiment qu'il se rate, mais vraiment méchamment pour pas gagner. Ça, il m'a bloqué la case où je voulais aller. Quoique, si j'arrive à venir là. Tac, tac. Allez, on y croit. On y croit. En bullet, ça pourrait marcher. En partie longue, j'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a prévu alors contre ça? Ah, il peut jouer cavalier. 8 échecs. Je peux pas l'empêcher. Après, il va aller en F6. Oh non, il va pas aller. Ah merde, j'aurais dû venir là. Il n'y aurait pas eu échec si j'étais venu là, il n'y aurait pas eu de fourchette non plus. Je crois que je vais bientôt avoir fini de lui poser des problèmes. Malheureusement. Clouage. Ça sent la fin. Attends, 1. Et voilà. Donc, effectivement, on a la confirmation que je ne comprends pas très bien ce qu'il faut faire dans cette ouverture. Donc, dans la variante... B6, dame prend B6 du Gambi Benko. Je sais, ça c'était quand même bizarre. Mais bon, j'ai pas eu de problème de sécurité de mon roi particulièrement. Ça aussi c'était peut-être bizarre, j'aurais dû... sortir une, au moins ce cavalier avant. En fait, j'ai perdu à cause du manque de développement de mes pièces. Cavalier BD7, ouais. Après, là, j'étais très mal déjà. Finalement. J'ai pas pu empêcher ces cavaliers et sa tour de s'infiltrer.
Il a raté une première capture de la dame. Il a mis du temps avant de la trouver, mais. Ouais, déjà, en fait, si j'avais fait ça, effectivement, j'aurais pu prendre un cavalier et une tour au moins contre la dame. Et là, à ce moment-là, je m'en sortais vraiment. J'ai pas envie d'échanger là, moi. Qu'est-ce qui se passe si je reprends là? Ah, je gagne un pion. Je sais pas, je trouve que ça pue. Ah non, c'est vrai que là, j'attaque la tour. Donc l'ordi préfère reprendre avec la tour. Ah, j'ai une position très très compliquée. Ouais, bon. J'ai été puni pour pas avoir développé mes pièces, c'est tout. Ce plan-là, il est bon, mais c'est pas du tout le moment. D'abord, je vais des coups normaux comme ça. Ça. A5, je suis pas trop sûr. Parce que A5, A4, et après, le cavalier pourra venir là. Dame B8, meilleur coup. Donc, mon dame B4 était pas bon. Bon, c'était pas une grave erreur, mais c'est un peu une perte de temps. Et donc la ligne que je disais, c'était ça, et là, A4, je pense, tout de suite. Ah, c'est pas facile de savoir quoi répondre. En fait, j'ai joué une partie contre Chess Network, donc Jerry qui fait des streams, et j'ai joué contre lui en blitz dans son stream. Est-ce que c'était le blitz? En fait, on a joué deux parties et il se trouve que j'en ai gagné une parce qu'il a un peu, il s'est un peu laissé prendre par le temps. Il n'y a pas d'incrément dans un tournoi de blitz. Et alors j'étais content parce qu'il est 2600 quand même, hein, faut savoir. Et la partie avait commencé comme ça, ouais. C'est cette partie-là. Ah ouais, c'était, ça avait commencé comme ça. Je sais pas si on peut la voir là-dedans. Peut-être que ça se met pas à jour tous les jours parce que c'était récent. Average rating. Bon, faut faire la moyenne entre mes 1009. Alors, en blitz. 1900 et lui 2500. Donc ça fait à peu près ça. Je sais pas trop ce qu'il faut sélectionner exactement, mais enfin si vous voulez je pourrais la retrouver, ce sera plus simple. Mais pour en rester dans cette partie, de petites erreurs. Là, j'avais pas envie de jouer F6. Quoi? Et là, il faut qu'il prenne. C'est quoi ce sacrifice? Ah, après, il prend ce pion-là et... Ouh là là. Là, il a un jeu de malade. Il prend le fou en fait. Ah bon, il prend le fou. Ah, il fait une fourchette. Le fou est plus défendu. C'est tellement bizarre qu'une pièce sur la case. Le fou sur la case C8 soit pas défendu, mais voilà, parce que j'ai rien développé encore une fois. Donc voilà, développez les pièces. Développez vos pièces, les amis, avant de jouer des coups bizarres. Ça me servira de leçon. Et donc la partie que j'ai faite contre Jerry. On devrait pouvoir la retrouver parce qu'en fait c'est la dernière partie que j'ai joué en blitz. D'ailleurs il est marqué là. Best rated victories. Il y a un jour.
Mais en fait, à sa décharge, il avait joué plein. Il avait déjà joué pendant 3 heures dans son stream des parties avec incrément. Et là, il était passé un tournoi sans incrément. Et la deuxième partie du tournoi, c'était celle-ci. Donc, on a joué exactement ce qu'on vient de voir. Je sais plus si l'autre avait joué ça ou E4. Je crois qu'il avait joué ça aussi. Allez, A4 tout de suite, avant même E4. D'accord. Et là, je savais pas quoi répondre. Mais depuis aujourd'hui, je sais. Je sais que c'est, comme je disais, Dame B4. En fait, c'est. Oui, ça empêche eux de jouer E4. Et s'il veut que Madame s'en aille, il doit jouer tour A4. Et la tour étant A4, en fait, me permettra de gagner un petit peu de temps. Le jour où je mettrai mon fou en D7, faudra qu'il réponde. C'était juste pour ça. Elle va je sais pas où. Et donc voilà, j'ai gagné un temps. C'est pas grand-chose, hein. Et après, il peut aller avec deux plans possibles d'après l'ordi. Il peut aller là ou il peut aller là. On dirait qu'il aurait pu y aller en une seule fois. Si c'est pour aller là, il pourrait pu y aller en une seule fois. Mais voilà, avoir mis la tour ici a permis au fou de faire comme s'il pouvait jouer deux fois de suite. Et donc si on avait joué la même chose sans insertion de Dame B4, si on avait joué Dame B7 direct. D'ailleurs dans la partie de Jerry, j'avais joué Dame C7. Et tout de suite il a dit, parce que j'ai écouté après sa partie, j'avais mis en mute pendant son stream pour pas être dérangé par ce qu'il racontait sur ma partie. Pour pas non plus tricher, même si ça n'aide pas du tout. Puisque de toute façon c'est en retard et ça déconcentre plus qu'autre chose, mais il a tout de suite dit que mettre Madame en C7 empêchait la manœuvre du cavalier. Bref, s'il avait joué ça, et qu'après on avait joué disons la même chose. Donc je pense. E4, roque, fou D3, fou D7. Là, il a le temps de jouer un coup de plus par rapport à ce qu'on a vu. J'espère que j'ai pas dit de conneries. Oui, dans cette position-là, sauf que maintenant, il a roqué. Du temps parce qu'en même temps j'apprends là, c'est des trucs nouveaux pour moi tout ça. Voilà, on a exactement la même position et là il a pas roqué. C'est rien de grave hein, pour les blancs. Mais c'est juste qu'on se développe un petit peu plus vite avec les noirs là que dans la variante sans Dame B4. Ce qui est amusant c'est qu'il pourrait. Il pourrait répéter les coups. S'il voulait. Je sais pas si on ferait Dame B4. Bon, normalement, les blancs, ils vont pas jouer ça. Et donc voilà pour cette partie contre Jerry. Qui est. D'ailleurs, abonnez-vous à sa chaîne YouTube si c'est pas encore fait, c'est un des meilleurs streamers. Un des meilleurs youtubeurs d'échecs, on va dire. Donc, j'ai mis une dame en C7. Après, mon fou là, mais pour le développer, mais bon, il sait pas trop. Non, c'était pas pour le développer, c'était pour. Ça attaque quand même le pion, donc c'est quand même du concret. Et lui aussi, il a mis son cavalier en C4, en fait. Ah, c'est pas mal ça. Comme l'autre. C'est un très bon plan pour les blancs dans cette position, je pense. Et donc là, toutes mes pièces sont un peu bloquées. Je sais pas si j'aurais pu tenter ça, mais. Ça me plaisait pas trop qu'il échange. Parce
Parce qu'après mon pion, ce pion là devient faible peut-être. Ce pion là est fort, je sais pas. Donc j'ai joué ça mais pour me débloquer, mais en gros ça perd un pion quand même. J'ai pas vu que ça perdait un pion, hein. J'ai joué. C'était du blitz, c'était 3 plus 0 donc. Il fallait que je joue vite. Et j'avais déjà un gros avantage au temps là. Parce que je vous dis, j'ai joué vite le début de la partie, l'ouverture. Ouais, son pion qui commence à devenir un petit peu dangereux. Mais bon, bien sûr, il a mieux joué que moi toute la partie, surtout en prenant son temps avec le niveau qu'il a. Mais là, il a commencé à me rendre un petit peu de. À relâcher un peu la pression. Il a dû se dire je peux gagner un pion parce que. S'il prend mon cavalier, je peux jouer ça et le pion n'arrête plus, probablement. Ouais. Mais voilà, moi je me suis pas fait avoir en fait, je suis plutôt content. J'ai vu que l'alignement du fou et du pion me permettait de gagner un pion. De gagner le pion, donc le pion dangereux est plus là. Maintenant il y a deux pions d'avance, mais disons qu'il a encore du travail quoi. Et là déjà il avait plus que, je sais pas, à ce moment-là il avait moins de 10 secondes. Hein. J'ai donné un autre pion. J'ai 3 pions de retard. Maintenant 2 pions de retard, mais là il reste plus que 2-3 secondes, c'est déjà fini. Donc là je savais que j'allais gagner en fait déjà. En fait c'est marqué maintenant, oui c'est vrai, c'est marqué sur les chess. Vous voyez combien il était là, je disais il reste moins de 10 secondes, il reste 4 secondes. 5 secondes à ce moment-là. Et moi il me reste encore plus d'une minute alors. J'ai 2 pions de retard mais. Il faisait des pré-moves tout le temps donc. Par exemple, il ne s'attendait pas à ce que je perde encore ce pion là. J'ai essayé de jouer vite. Ouh, j'ai même donné la tour là. Mais les coups n'avaient plus d'intérêt à ce moment-là. C'était pré-move, pré-move, pré-move. Et au final, il a perdu autant. Peut-être qu'il avait voulu bouger son pion, mais le pion s'est retrouvé cloué, donc il n'a pas réussi son pré-move. Vous pourrez regarder sa vidéo, d'ailleurs, faudrait que je la link. Ah oui, mais c'est sur Twitch, elle va peut-être pas rester longtemps. Donc, ça va être compliqué. Peut-être qu'il va la mettre sur YouTube, j'espère. Vu que c'était dans un tournoi, peut-être qu'il a posté le tournoi sur YouTube. Et en fait, il a gagné. Non, il n'a pas gagné le tournoi, il fait 3ème. En partie de ma faute. J'ai gagné à cette partie-là. Et après, il a tout gagné sauf une nulle. Mais bon, j'ai pas non plus un grand mérite puisque j'ai. il a un peu oublié, comme je disais, qu'il n'y avait pas d'incrément, il pensait plus. Il a beaucoup mieux joué que moi dans la partie. Si j'ai pas donné de pièces, j'ai quand même résisté. Il avait 2 pions d'avance à la fin. Donc j'ai quand même posé des problèmes. Ok. C'était une longue vidéo, mais je pense que c'était intéressant de parler de cette ligne-là du Gambit Benko. A bientôt. Salut.